Voilà. Le prophète arrive. Bonjour à tous, ici Grégoire Gauthier. Qui a santé. Bonjour à tous, ici Grégoire Gauthier. Je vous retrouve avec mes amis du forum Crusader King 2. Et cette fois, au lieu de s'entretuer sur du Among Us ou des trucs comme ça, on va s'entretuer sur un jeu Paradox qui n'aura plus la moindre mise à jour puisque le jeu suivant est sorti. Encore plus buggy qu'avant, mais c'est pas grave. Cette intro de qualité, aïe aïe aïe, on sent l'expérience. Pourtant, celle-là, j'ai improvisé. Et donc, pour l'instant... Attends, t'as beau improviser, t'as quand même bien tenu du début à la fin. Ouais, mais c'est plus... Une seconde. Il faut penser à muter quand on fait du truc à côté, monsieur Grégoire. C'est mon papa à côté, il peut rien. Alors, il va être un studio un jour. Et donc là, je voulais dire donc qu'on est en coin de vérifier toutes les petites règles qu'on va se faire pour notre petite multi en attendant que le meilleur d'entre nous arrive. Qui est en retard déjà d'une minute, c'est scandaleux. Que notre prophète arrive et répand de la vraie foi. Non, mais... Mange des lasagnes, deux secondes. Mais c'est ça. Oui, oui, on lui laisse manger ses lasagnes quand même, c'est important les lasagnes pour un prophète. Voilà, je l'ai prévu. Bon, vous voulez pas qu'on vous dise. Bon, ah oui, c'est vrai que vous voyez. Est-ce que je vous mets en partage d'écran ou pas? Non, non, ça ira. Dis-nous juste, il y a encore des règles à changer? Bon, attendez, c'est sans et quoi d'autre? Bon, j'ai enlevé la limite de vassaux. Ouais. Les prisonniers. Ouais. Les duels. Ouais. La portée diplomatique. Ouais, la Chine aussi, t'as relevé. Oui, j'ai enlevé les mariages interreligieux, comme ça, on va pas s'embêter. Ah, on va pouvoir épouser n'importe qui. Oui, je vais pouvoir épouser une petite japonaise, elle aura 18 ans physiquement, mais en réalité, enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Alerte, alerte. Oula, oula, oula. Oula, oula, je vais devoir couper sa montage. Ah, j'ai défoncé les oreilles. Tu recommences l'intro là quand, dès qu'on est en jeu plutôt que maintenant. Ouais, parce que oui. Là c'est une catastrophe. Oui, en le disant. En fait, là on s'ennuie surtout en attendant Bigra qui n'est toujours pas là, même si techniquement il est là et qu'il peut nous entendre. Oui, bon, bah désolé, j'ai un grand corps, il faut le laver longtemps. Ah. Merci, on aurait pas aimé, bien aimé ne pas savoir ça. Moi non plus. Qu'est-ce qu'elle va dire Anna, ta copine? Il y a des images qui traversent mon esprit. Oh, double les manifestes ingérables. Bon, allez, jouez. Bon, allez, on est. Bon, on a enlevé le pillage, bon, je crois que le reste. La divine bouffe bio. Bon. Bon, alors, bon. Allez, c'est quoi, je ne prends pas de personnage. Je prends un royaume. Elle est très très chaude. Le roi. Bon, on va tester. On va. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas. Oui, depuis tout à l'heure, je vous ai pas envoyé l'idée de serveur depuis tout à l'heure. Mais il n'y en a pas un autre qui veut manger à 14h? Il est là, le réseau. Ah, je suis là, je suis là. Ouais, t'as changé d'avis. Oh, c'est pas... Ça vaut un jeune. Ça vaut bien un jeune. Mais t'es en train de manger la bière, non? Alors voyons. 900. Oui, j'essaie de faire vite. 100. Ah, je compte. Du coup, tu peux nous donner l'idée du serveur là? Oui, je suis en train de l'écrire. Ah mince, tu l'écris, mais moi j'ai pas accès. Attends, si. Ah, si, c'est bon, j'ai accès. Ah bah c'est vrai que je peux les jouer. En fait, quoi, Bikra, tu veux toujours pas regarder le début de Stargate et Zéan? Oh, probable. La curiosité me poussera à le faire un jour ou l'autre. Pourquoi bordel la taille de cette idée? CTRL-C, CTRL-V. Ah, ça, c'est l'idée. Et je mets ça où? En fait, tu vois, recherche l'idée, en bas à gauche. En bas à gauche. En multijoueur. Là, je rentre dans multijoueur. Ouais. Et merde. Non, ne plante pas, ne plante pas. Connexion à une idée. Là, tu rentres l'idée en haut et Greg te passera le mot de passe. Greg, c'est quoi le mot de passe? Toujours GG. Oui. Alors, Grégoire Gauthier. Rejoindre connexion en cours. Red White Post, c'est... Tiens, en attendant, j'ai le temps de faire mon perso.
Ah, donc tu fais un perso custom, toi? On va voir si ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on reviendra un perso. Après, fais gaffe, hein, un perso custom, ça veut aussi dire que si tu prends pas d'enfants, c'est déjà fait partie. Aussi, mais... enfin, de toute façon, pour ce perso-là, le seul perso qu'il a, c'est un bâtard, donc... Ah, tu peux le légitimer? Oui, mais bon... Après, s'il a des stats dégueulasses, le perso de base, tu vois, tu peux changer... Comment ça partie introuvable? Je t'emmerde. Perso, j'ai pas compris de croc. Ah, mais attends, la partie de Greg, elle est là. GG. Là, pour une fois que ça marche, on a le croc. Le 1 et le 4. Bon, allez. Et attends, Greg, c'est pas du tout ça, l'idée de ce serveur. Oh, oui, zut. Moi, j'en ai un tout autre différent quand j'appuie sur tiens. Et trouver la partie qui s'appelle GG. Pourtant, hier, ça avait marché. Bon, allez, comme j'ai envie de rigoler un petit peu... J'ai réussi à me connecter. Bon, allez, non. Bon, c'est quoi l'idée? Non, mais alors, l'idée, c'est... Elle cherche plutôt par serveur, un serveur qui s'appelle GG. Non, mais ça marche pas. T'es sûr? J'ai appuyé sur réactualiser internet. Ah, Régine Val, t'es là? Ouais, je suis là. Ah. Qu'est-ce que tu fous en bohème? Je sais pas. T'avais le duc de Bourgogne, c'est à côté encore. C'est dommage qu'on puisse pas se mettre les cheveux bleus. Oh le machin, il veut devenir RGW. Faut l'idée, les gars. Il est là, l'idée. Non, mais abandonne l'idée, cherche plutôt le serveur qui s'appelle GG. Non, ça marche pas chez moi, j'ai pas accès au nom des serveurs, j'ai accès qu'aux idées. L'idée, il a marché chez moi. Ah, j'ai trouvé. Essaye d'actualiser en utilisant internet là, y'a pas un truc actualisé? Non, ça marche pas. Ah. On utilise Roller Designer. Faut pas faire si tu veux, c'est bien marché. Bon. Juste pour être sûr, vous êtes pas sans aide du C, on a bien pris le numéro. Ah merde, moi je peux pas changer de perso, je l'ai pas acheté Roller Designer. Ouais mais pas moi. Il veut pas, et moi c'est acheté sur Steam. Non, normalement t'as les... Normalement t'as tous les DLC. T'as les DLC du jeu. Ouais bah même avec ça quoi, c'est moi qui dois avoir le truc. Ah ouais, bah pour l'instant on va aider, comment ça s'appelle là, Bigra. Ça cherche. Connexion en cours. Il y a Killer. Oui, il manque Picrate. Tiens, je vais monter le son. Bon, je vois que pour les moraux, on a profité pour encore s'enlever le coup de son Discord. Oh, elle a encore changé l'image? Ouais. Oh, je suis indépendant. Ah, par contre, probable. J'ai dû ouvrir le bon... Tu peux te vassaliser ou alors tu peux aller taper le Navarre puis l'Omeyyade. Est-ce qu'il risque pas de m'attaquer le roi? Ah, voilà, Calvar est là. Ben, s'il a des vues sur la Gascogne, ouais, je pense en vrai, il va te déclarer une guerre pour te vassaliser ou te prendre des côtés. Oh, monsieur Calmar est ici. Donc le seul qui nous manque, c'est le Barcelone. Cody. Cody il est pas là, il a dit. Ah ouais, il arrivera peut-être pas plus tard ou peut-être pas. Mon perso est dégueu. Ok, moi j'appuie sur prêt. Moi je vous attends. Dès que vous voulez. Rival n'est pas prêt. Bon. Ridamel. Par solidarité avec Sky, je peux utiliser Roller Designer. Oh, en vrai non, ne te gêne pas. Et quoi, Greg, tu veux pas prendre le petit compte moisi d'hier? Non, cette fois je joue sérieusement. Enfin, non, je vais pas jouer sérieusement, je vais essayer d'optimiser un peu tout ça. Ah ouais. Unir toute la Bretagne sous ta coupe, ton règne impitoyable. Oui. Donc, comme ça, tout le monde sera obligé de regarder mes vidéos. Pas forcément tout de suite, pas trop tôt. Bon, Rizibat, qu'est-ce que tu fous? Alors, de souvenirs, je crois que Bigrat avec une seule fille, moi j'ai qu'un seul fils. Merde, je trouve un moyen de ma femme. Non, t'appartiens pas à la Bretagne. Ça rappelle quelque chose.
Et toi, Greg, tu es un bâtard que tu peux légitimer, ouais. Non, enfin, c'est un peu sans dire ça. Enfin, c'est pas encore vous. Oh, ou alors tant pis. Ouais. Après, vous allez jouer à un mec ou une femme au début? Un garçon. Moi j'aurais dû une fille, comme ça tu chopes une petite lignée gratuite dès le début. Augmente ta difficulté, mais je peux pas appuyer sur le bouton option. C'est prévu. Branche-la, je sais pas. C'est prévu depuis une semaine. Ah, maintenant on a un Iron Man? Non, franchement, c'est pas. Vous ne pouvez pas changer de personnage dans mode Iron Man. On n'est pas en Iron Man, moi j'ai plus. Bah, ça change pas grand chose. Hein. Maintenant, je suis bloqué sur celui-ci. Ou alors, il y a que moi qui ai le droit de me modifier. Oui, pourquoi je peux pas changer de perso? C'est pour. Ah bah si, je viens de changer là maintenant. Ou peut-être parce que t'as appuyé sur prêt. Ah mais ça m'a enlevé le prêt. Ah d'accord, c'est ça qui est bloqué. Oh con. Donc on a Grégoire qui est petit roi de Bretagne. On a moi qui suis duc d'Aquitaine et de Toulouse. On a Régine Val qui est en Bourgogne. On a Papyruso qui est duc de Gascogne, tout en bas. Et on a Monsieur Calmar qui est en Flandre. Question en fenêtre, c'est que je peux pas bouger la fenêtre. Juste avec la souris, il faut que je fasse manuellement. Ou alors ça marche que vers le bas. Bordel, j'ai 50 pubs là qui viennent d'apparaître pour les DLC cosmétiques. Passe à la caisse. Bah oui, faut que tu passes. Bah oui, je pense que c'est ce qu'ils veulent, très clairement. Ils veulent que je passe à la caisse finalement. Ah, je crois que le Iron Man a. Je crois que ça marche pas, le modificateur de perso. Bon, les gars, il est temps de jouer avec un petit dé à 6. A voir lequel d'entre nous aura le privilège d'avoir l'arc d'alliance. Mais ça, je peux toujours pas savoir à cause du malfénécré. Mais c'est quoi ça? L'arc d'alliance, c'est l'objet totalement pété qui fait 10% de dégâts, 10% de défense des troupes, 2 d'intendance, plus 10 d'opinion de religion. Ça marche pour les chrétiens et les juifs. Bon, leur designer, il a pas marché. Ah, ça a pas marché pour vous? C'est qui quoi? Ou alors attendez un peu. Parce que là, en fait, on attend Papyruso qui l'a. Oui, enfin. Il y a que c'était ce. Oh merde! Vous m'entendez avec le capuçon ou pas? On t'entend. Bon, parce que c'est mieux de laisser un capuçon sur le micro ou pas? Tous les joueurs sont présents, ok. Bon, on verra ça la prochaine fois. Ah ouais, c'est pas. Bon, ok, allez. C'est parti. Donc, oh, gars... il est moisi, mon perso! Ah, quoi, hier il était super bon, maintenant c'est une grosse merde! Bah, ouais, c'est pour ça qu'ils aient fait. Alors, le mien par rapport à hier, il a gagné le trait lâcheté en plus, pas mal. Moi aussi! Putain, lâcheté cruel, érudit! Moi fort, putain! Oh là. Défier Big Grand duel tout de suite. Il est naze le mien. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, je veux bien. T'es où? Enfin, je suis déjà blessé. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Alors, les gars, choisissez un numéro entre 1 et 6. On va décider qui aura l'arc d'alliance. L'arc d'alliance, pardon. Donc, tu veux 4. Igra choisit 4. Vous autres? Tout le monde s'en fout. Bon, s'ils veulent pas l'arche. Ah, s'ils veulent pas l'arche, on peut le jouer à tous les deux, hein. Ah, génial. Je suis un lion. Je suis le chevalier du lion. Bon, donc ça vous intéresse pas, l'arc d'alliance? Ben si, j'ai fait un des 6. Enfin, j'ai fait un, j'ai marqué 6. Ok, j'ai trouvé le personnage qui le possède. Alors, choisissez un numéro entre 1 et 6. Donc, Grégoire t'a pris 6, Bigra t'a pris 4.
Régine Val. Bon. Tu m'entends là? Ouais, ouais, là on t'entend. M'entends. Ok, donc 3 du coup. Bon, personne n'est fille. Ok, tu prends 3 et toi, Papy Rizzo? T'avais pris 6. Y'a quoi de disponible là? Hein? 3. Non, le 3, je crois, il est déjà pris. Alors, attends, Grégoire, tout de suite, quand c'est pas moi qui organise, c'est la merde. J'avoue, j'aurais dû noter sur une feuille, je suis con. Grégoire, c'est 6, Bigra, c'est 4. Régine Val, j'ai déjà oublié, je crois que c'était 3, justement. Ouais. T'as déjà oublié. Donc, il reste le 1, le 2 et le 5. Le 1. Ok, bon, bah, je vais prendre le 2. Régine Val qui a gagné. Une ambition et tout. Putain, l'enfoiré. Du coup, qui c'est qui a eu l'arc d'alliance? Bah, c'est Régine Val qui a gagné. Ah, c'est moi? Ouais. Ah. Maintenant, tu te démerdes pour la prendre. Non mais t'inquiète, t'inquiète, je m'occupe de te le ramener. Tiens, prends mon argent, sale connard. Acheter une faveur. Accepte. C'est un mec qui s'appelle Mamo qui l'a. Ouais, il s'appelle Mamo. De nom de qualité. Il se trouve dans le duché de Axum. Ouais, je vois le duché d'Axum. Tes souhaits. Alors. Ah là là, c'est trop facile. Oui, Mamo. Oui, Mamo. Et oh. Ta fille elle a de bonnes stats même si elle est chaste, j'accepte. Greg qui proposait déjà pour son gars de 33 ans ma fille de 10 ans. Ah. Oh, c'est pas grave. Pas mal celle-là, pas mal. Je me marie avec le petit. Oh bah lui c'est ailleurs alors. Regarde plutôt un mariage matrilinéaire. Oui, mais ça pourquoi t'es hellénique? Oui, je voulais rigoler un peu. Ah, mais il utilisait le cheat code en plus, l'enfoiré. Mais non, il a fait rouleur designer. Mais tu vas te faire souiller, Greg, par la France qui va te tomber dessus. Mais non. Enfin, on verra bien si ça se trouve. Bon, déjà, pour commencer, il faut que... Mais c'est du pas béni pour nous. Enfin, pour lui, plutôt. En plus, t'as pris des stats de merde. Mais oui, enfin, il faut... Ah oui, il faut pas que je sois trop vieux non plus. Regarde-moi. Ah. 33 ans. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Alors, hop, hop, hop. Pop. Muraille du château. Je vais direct assassiner l'un de mes vassaux. Passer une loi pour augmenter. Moisi mon perso. Tombe du cul. Pourquoi il m'aime pas ces connards? Voilà, tenez, je vous baisse tous autant que vous êtes. Tu veux si tu veux. D'ailleurs, c'est quand vous voulez. Papyruso qui veut une alliance, ok. Pour moi on est bon, on peut lancer. Hein. Oui, oui. Attendez juste de mon côté, j'essaie de passer rapidement une loi là. C'est qui le dernier opposant à la cour là? Prince évêque. Oh, je me vassalise au roi ou pas? À toi de voir. Tu te vassalises au roi ou essaie de devenir roi de Navarre. En plus, t'es de culture basque, tu peux lancer des reconquistas. Bon, voyons jusqu'où on peut aller. Bah, c'est tu peux te vassaliser au roi de Navarre et essayer de lui bouffer de l'intérieur. Bah, évidemment, comme d'hab. Ah, j'ai oublié de divorcer de ma femme. T'as oublié de divorcer de ta femme. Mec, j'ai déjà un héritier, j'ai pas besoin d'autre chose. Eh bien, ici, toi. Ah, donc il suffit d'en buter un seul et t'es perdu. Non, faites pas chier. On fait pas encore ce coup de pute. Oui, pas encore, pas encore. Mais pour l'instant, on est potes. Voilà, merci. Mon meilleur ami jusqu'au bout.
Ah non, pas de chanson s'il vous plaît. Silo, je commence à faire des tentatives d'assassinat. Yes, faible centralisation a été approuvée. Oui tiens, ça me pense. Ça a commencé depuis 3 jours, Greg est déjà en guerre. Bah je commence toujours dès le début, ça peut gagner du temps. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, je sais, j'ai gagné. Ah, tu fais la conquête contre l'autre connard d'en bas. Bon. Christianisé d'ailleurs. Oui, aussi il est codé pour direct se christianiser. Bon, oh, puis zut. Ouais, des codes fenêtres en même temps. Bon. Ok, Grégoire a fait a appuyé sur pause. Oui, parce que c'est l'heure du duel. Non. Alors, je sais pas ce que ça donne. En plus, je suis devenu brave. Félicitations. Le roi de France qui me nomme maréchal, j'ai 7 en martial. Mais non, moi j'en ai 15, qu'est-ce qu'il attend pour me nommer moi, maréchal? Non, toi il va te nommer commandant, il va parfois y crever sur le champ de bataille. Mais il m'a nommé maître espion et je suis commandant, effectivement. Quitter mon poste de commandant. Ah, mais t'as vu, tiens, je peux penser que c'est oublié. Ah là, maintenant je suis maître espion, c'est dire que je peux l'assassiner tranquille. Pourquoi? Ah, tu peux le buter, oui, mais ce sera un petit comte de merde qui va hériter. Ça a l'air de Glorie Carling. Il est contre lui. Pourquoi en monarchie élective, je peux pas voter pour tous mes fils? Oui, ça oui, on avait dit qu'il fallait qu'on... De toute façon, dès qu'ils aient pris la Bretagne, ils arrivent. Je crois vraiment qu'il va te laisser tranquille, petit païen. Bah, si tu vas ça, il m'attaquera pas. Ah, il va pas t'attaquer, il va redemander tes terres. Ah, il est devenu majeur. Refuser, c'est moi qui éduque mon fils, connard. D'ailleurs, j'en suis à vous pour ce truc-là. Ah, mais que ça, oui, c'est pas encore pour ça. Mais ça va venir. Est-ce que j'ai des filles dans ma dynastie? Le duc de Paris veut que je le soutienne, va te faire. Petit roi de Bretagne veut tuer le roi de France. Oui. Are you sure about that? Moi je dis non. Pourquoi non? Laissons le royaume tranquille pour l'instant vu qu'il y en a certains qui ont des vues dessus. Alors il a créé le duché de Picardie. Ah, je viens de devenir ami avec mon neveu alors qu'il croupit dans ma prison. Ah! Ah oui, je vois ça! Syndrome de Stockholm. Allez, encore 4 balles pour que je lui toque son pognon. Mais c'est en fait l'Empire chinois. En guerre civile. Sale connard, reviens dans ma cour. Oh, ok, le roi de France se fait couronner. Ouais. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Bon, oui. Il faut que je remette. Il n'y a pas de femme dans ma dynastie, ça casse les couilles. Va aller chercher des lignées. Voyons, attends, faut que je remets, laissez-moi 30 secondes. Vous avez déjà des plantes coquettes, vous? Non. M'en parler de rien. Mon chancelier qui fait des revendications, mais ça dépend de lui. Ouais. Alors, j'ai jamais compris. Il y a aussi le pape pour ça. Genre, il n'y a pas moyen de trouver un connard qui est nul. Voyons le pape. J'ai pas assez de piété, de toute manière. Ah ouais, et on n'a pas encore assez de piété. Genre, lancer une invasion de l'Italie, ça coûte combien?
Allez. Là, on va faire un peu de... On va faire un peu de commerce avec des clients réticents. Oui, il faut que vous restiez là. Hein, quoi? Hein, quoi? Ah, il y a un mec dans les amis. T'entends pas, toi? T'entends, t'es très bas, Régine Val, tu peux pas augmenter le son? Là, c'est bon. C'est bon. Ouais, là où t'entends, tu peux répéter? Il y a un mec qui s'appelle Ellie qui était sur l'event du couronnement. Oui, bah, c'est le roi qui s'est fait couronner, c'est tout. Hein? Non, c'est pas le roi. C'est Louis IV, le roi. Ah ouais, le roi c'est Louis IV. Bah, je sais pas, ça doit être un invité random alors. Mmh. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est bien ça. Il est nul. Tu es nul. Eh, mais c'est une bonne idée ça. Et attends, la Bretagne est en train de piller nos terres. Oh, quel enculé. D'ailleurs, il te manque quoi pour fonder le royaume de Bretagne? Je crois c'est piété et argent. Oh, c'est ça. Épouser une tengriste, hey yo, quel coffard. On va voler au secours du royaume. Ah bah, pour une fois que c'est pas moi. Putain, y a personne qui m'aide. Comment ça, je suis à la traîne? J'ai une bonne connexion. Bah, c'est toi, Papyrozo. Oh putain, y'en a un, il revendique. Y'en a un, il se révolte, au secours. Mets-toi en pause. Escon, ramène tes hommes. Ça va, y'a 4 fois moins de troupes que toi, tu devrais gérer. Je préfère ne pas prendre de surprise, hein. Allez, go. Ah tiens, une bataille contre avec la France et Grégoire. Pardon. Allez, Grégoire qui perd le top, ouais, je vois ça. Mais arrêtez de m'envoyer des... Assistons à l'éclatement anal de Grégoire. Arrêtez de m'envoyer des évêques, j'en veux pas de vous évêques. Tu peux juste augmenter la vitesse, Greg? Oh, mais non. Tu peux t'aider si tu veux. Tu es en guerre? Allez, on s'en va. Ah non, non, c'est toi qui demande, ok. Oui, sérieux, je peux. J'ai une femme de ma dynastie qui n'est pas mariée. Mais non, mais faut que je joue une société pour ça. Bon, Greg, 1282 hommes. Bon, ça va. Ah putain, plein de vikings chez moi. Ça va être coup de tenter. Allez, toi, je vais t'ouvrir en 4, tu vas rien comprendre. Bon, voilà, t'es mieux, toi. Ah tiens, Greg, t'as mis le pillage pour tout le monde? Ouais, tout le monde peut piller. Ah, c'est bien de prévenir. Ah mince, c'est vrai, t'étais pas là qu'on a expliqué les règles. Y'a d'autres trucs que je dois savoir? Ah, tu peux discuter avec un mec qui se trouve au Tibet et avec la Chine. Ok. Et y a pas de limite de vassaux. Ouais aussi. Et quoi? Y a pas de limite de vassaux. Hein? Puis y a les mariages interreligieux, j'ai vu. Oui, ouais, il veut épouser des chrétiennes en étant païen à l'enfoiré. Ça va jouer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non, cette conne, elle est enceinte! Bon ben, mes terres vont éclater, adieu monde cruel. Je vois en haut que Big Ray est occupé. Avec... Bah, des vikings de merde, hein. Oh, comme, oui, comme d'habitude. Il a pris un duché. Où ça pue?
Enfin, ça devrait aller. Ouais, ça va. Il y a une guerre entre la Normandie et la Picardie. C'est vraiment pour savoir qui a le meilleur raisin, un truc comme ça. Oh, connard de neveu. Traître. Grégoire essaie encore de... Ouais bah là il va piller le mec qu'il a, à qui il a volé à côté plus tôt. Ah oui. Bah toi c'est pas la forme en haut. Bah mon neveu est un traître, il y a des vikings, tout va bien. Cette foutue maladie ne veut pas te lâcher. Une région sur là. Chaque chose a son temps. Y qui a raffondé le royaume de Belgique. L'Empire. Déjà un royaume, genre tu prends la Basse-Lorraine, le Brabant, la Flandre, voilà, beau petit royaume de Belgique. Youpi, c'est gagné mon duel. Par contre, après, on va avoir une lotharagie qui aura une forme dégueulasse si tu fais ça. Non, mais je vais tout prendre. Hein. Le duc de je vais conquérir toute l'Europe et fonder l'Empire de Liège. Lol. Berk, jamais. Putain, vassal à la con. Tu me revaudras ça, hein. Ah oui, oui, je te revaudras ça, t'inquiète. Quoi ça, la gouvernance shit? Pour la lignée de Abdullah, le calife fatimide. Mmh. Il a un truc qui s'appelle gouvernant shit, ça fait quoi? Bonne question. On va demander à Google. Hop. Régine Vaz. Gouvernant shit, c'est un gouvernement de merde. Ah, déjà personne il a. Ne rit ma blague. Réaliste. Ok, le siège de foi terminé. Moi, je vais tout de suite sauter sur les mecs qui sont en haut. Ah, t'es pas obligé de me rejoindre, t'inquiète. Oh. Mon fils de 7 ans veut devenir moine de 13 ans. Ah ben oui. Est-ce que t'en as d'autres? Ouais, mais j'arrive pas à les nommer en monarchie élective. Attends, qui est en monarchie élective? Moi. Ah! Je peux nommer que lui. Désolé. Hop, 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 hop. Voilà, c'est fait. Donc c'est quoi tes projets ensuite? Je peux pas le faire. Quoi? Tu peux pas passer en partage salique? Bah j'ai passé de partage salique à truc monarchie élective. Et pourquoi au fait? Ah mais ah ok, t'avais 4 fils donc t'as essayé. Parce que j'ai 3 fils sinon j'allais éclater. Et bien sûr elle a pondu un gosse. Tu vas t'appeler déchet de la nature. Ouais.
Et tu vas... En plus, il a la lenteur. Mais quel échec, ce truc. Qui est le connard qui... Quoi? Oh. C'est quoi? Ah bah la Chine, c'est fini la Chine Tang, maintenant c'est la Chine Yuang. Yeah. Ok. Ouais, ils sont ouverts. Grégoire est mort. Ah! Déjà? Pariège matrilinéaire, Grégoire, matrilinaire. Il n'y a rien à voir là-dedans. C'est pas moi qui l'ai buté. Dans des circonstances suspectes, désolé, mais voilà quoi. J'ai déjà assez d'emmerdes avec mes vikings. Avec tes norvégiens là. Il n'y a pas les mêmes en plus. Ah là là. Et Greg ne dit rien, il est peut-être vraiment mort pour de vrai. Eh, c'est bon. T'as fini, Sky? Ouais, 100%. Allez, hein? Vas-y, en tout, sale connard, ça t'apprendra à revendiquer mes titres. Greg est devenu tout bleu. Quoi? Il s'est vassalisé à la France. Ouais, il a intérêt à changer de religion, hein, sinon il va l'avoir dans le... Encore? Je sais, t'inquiète pas, j'ai un plan. Bon bah, j'ai encore une guerre, mais cette fois-ci, ça va, il est tout petit. Je vais pouvoir m'en occuper tout seul. Ah là là. Ça va, en haut il y a le suzerain qui vient t'aider avec tes vikings. Ah, merci, juste quand il se barrait, c'est bien. Prochaine fois, viens avant le pillage. Je sais. J'ai la même amante que le roi. Tu as? J'ai la même amante que le roi. C'est dégueulasse. Je vous faites plaisir avec cette Héloïse. Ouais, ça va, pas mal. Plus comme Blechum. C'est vrai qu'elle est horrible. Moi, de toute façon, elle a une gueule de gobelin. On prend ce qu'on a, hein. Merde, ma souris. Oh. Aussi, on va de nouveau te balancer par-dessus, flotte. Alors, tu es le comte de Narbonne. Qui veut bien me rejoindre? Attends, qui c'est le comte de Narbonne? Non, c'est bon, de toute façon, j'ai suffisamment de soutien maintenant. 301%. Le pauvre gosse. Il a à peine 7 ans. Si t'en veux plus, tu peux m'inviter. Lul. Oh, il va être victime d'une chute tragique depuis un parapet. Mais pourra, c'est une révolte. Je crois que c'est fini cette épidémie là. Épidémie? Ah oui. Merde, il y a la consommation chez moi, j'ai pas vu. Eh Greg, t'as mis quoi pour la peste? J'ai mis en normal. Ah putain, je me suis fait choper, j'ai pas réussi à le tuer. Ah tu vois, on dédaigne mon aide puis on n'arrive pas. T'aurais changé quoi? J'ai 300% et c'est pas passé. Bah t'aurais eu un flamand pour venir t'aider. Attends, le duc de Poitou, il fait quoi là? Il revendique mon duché? Enfoiré? Non merci. Ah, il veut révoquer le titre. Non, va te faire foutre. Non, ah merde, je suis malade.
Fallait se reclure, hein. Ah, je me suis reclus, mais trop tard. Par contre, il y a le roi de France qui fait une guerre pour l'un de tes titres de jure, mon cher ouais. Reginwald. C'est Macron, il va me le donner, il le fait à chaque fois. Le mec, il gagne des terres tranquilles sans faire la guerre. Ah merde, le mec qui possède l'arc d'alliance maintenant, il est devenu bourgmestre. Femme. Ah dommage, Reginwald, c'était pas loin, mais tu l'as raté. De toute façon, en martial, c'est déjà pas mal. Ah, ça donnait pas vraiment de martial, mais ça donnait quand même de beaux bonus, hein, quand tu regardes le machin. Et ça donne 10 000 de grâce chez les Chinois. Greg s'en prend quand même plein la gueule, non? Comme d'hab. Ouais, là, il se prend une révolte. D'ailleurs, Greg, on t'entend ou... Oui, je suis là. Normalement, vous m'entendez. Ah, okay. Il est concentré. Oh, j'ai hérité. Oh, quel dommage qu'il soit mort. Oh, c'est triste. T'as quand même un nom de victime, hein, Raymond Ponce. Ah, que veux-tu, c'est les noms occitans. Y'a ma cousine qui me séduit. Fonce. Non, ce serait déplacé. Eh merde, ouais. J'ai la consomption. Faites ce qui est nécessaire. Oh, ce décès. Quoi? Je suis mort. Cody, non, il a annulé. Maréchal. Mort du peuple naturel. C'est moi le maréchal. Oh, ça fait chier, ça. Alors, Matrilimère, avec qui? C'est un conte à la con. Ah, mais c'est un camion. Oui. J'avais fait ça pour la lignée, et puis son suzerain lui a gentiment donné un compte juste à compter juste après. Ah, ça c'est bien. Oui, ça fait un bled facilement gagné. J'ai la main verte. Yes. Finance une recherche d'artefacts. Oh, est-ce que je vois la Gascogne a déjà trouvé un bel artefact? Comment je vais faire? Alors, autant notre suzerain a déclaré la guerre, autant. Moins 8% quoi. Ouais, tant pis. Ouais, c'est temporaire. Ça, c'est très bien. Et là, il va de nouveau perdre une bataille. C'est pas grave. De toute façon, je l'aiderai pas donc. Bah, t'es sûr, ça te fait des terres gratuites. Et ça affaiblit un royaume que tu pourrais conquérir. Il va les avoir, il est. Ah, voilà, j'ai survécu à la consomption. Oh, l'enfoiré, il assiège mes terres. Hé hey, Papyrus, a assassiné ma fille. Quoi? Hey. On avait dit pas de coup de pute au début. Je t'aide, je réunis tes terres. Il veut pas réunir ses terres, il va avoir la lignée Carling. Oh, mais il a... Ah, ok, il a tué une autre fille. Ok, Osef. Mais non, pas Osef. Maintenant, j'ai plus qu'une seule meuf de ma dynastie. Ouais, c'est vrai que c'est problématique. Oui, alors on attend un peu avant de faire des coups de pute. 10 minutes après, il me tue. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Faire un cratère nucléaire en Gascogne, je vais voir. Grégoire, juste au cas où tu étais toujours pas marié. Organisation 13. Je vais pas me marier à Croisant. Ah mais fais des fiançailles matrilinéaires, genre avec quelqu'un qui a des terres ou une lignée. Ou une bonne alliance.
Il y a vraiment aucun bon parti? Bah pour l'instant, pas beaucoup d'intérêt. Laisse t'englir. T'es en prison, allez, hop hop hop. Comment on fait pour voir les lois des autres pays? Les lois? Ouais. Genre, quelle loi tu veux savoir? Celle pour les héritages qui partent dans d'autres pays. Ah mais je crois que tu peux que voir pour les royaumes dont tu fais partie et ceux de jure. Alors par exemple, toi tu es de jure dans le royaume d'Aquitaine mais il n'existe pas. Enfin si j'ai bien compris ta question. Non, il voulait savoir comment on peut regarder pour un autre pays que le sien les différentes lois, et en l'occurrence, je pense, il veut savoir si l'héritage hors royaume est autorisé ou pas. Voilà. Et je ne sais pas comment on regarde ça pour un autre pays que le sien. Alors moi, je sais, tu peux regarder ça pour ton suzerain et tes royaumes auxquels tu fais partie de jure. Alors par exemple, toi, t'es duc de Gascogne. Tu peux voir pour ton duché tes lois, tu peux voir pour le royaume d'Aquitaine tes lois. Et si tu te vassalises au roi de France, tu peux aussi voir pour son royaume. Non mais je voudrais voir pour le roi d'Angleterre. Bah tu peux te vassaliser au roi d'Angleterre et tu le verras. J'ai pas envie de me vassaliser au roi d'Angleterre. Alors tu peux pas voir. Parce que moi je connais pas d'autre façon pour voir. Pareil. Ah non c'est en légalisme 3 donc on n'y est pas encore. Qui s'appelle Déchet. Ah oui, il est venu au mauvais moment, il va me piquer le duché de comment s'appelle d'Aquitaine. Déchet de Toulouse. Bientôt vous aurez un duché. Il est con en plus. Il s'appelle Déchet, il est con. Ah voilà. Et il va être éduqué en religion. Je vais voir si je peux pas lui filer un évêché. Oh, le pape Déchet. En vrai, si j'arrive à faire ça, ça serait génial. Mais je pense qu'à cause de sa connerie, il pourra jamais être pop. À part si j'investis masse d'argent, mais j'ai la flemme. Bon vieux pillage, sa mère. Et une option pour chercher les lignées dans... trouver les personnages. Non, par contre, dans le grand livre, tu vois, juste à côté des du menu principal, t'as un truc grand livre. Ouais, menu ouais. Numéro 16. Ah, d'accord, merci. Et dans le tout dernier, tu vois les lignées. L'avant-dernier. Le dernier, c'est les merveilles. Ah ben, ouais, mais moi, j'ai pas les merveilles, en fait, sur... voilà, quoi. J'ai pas l'habitude. Ah. Non, je n'ai rien dit. Pirate. Putain, c'est abusé le phare d'Alexandrie.
Il est déjà niveau 4 et il donne plus 15% d'impôts et des beaux revenus. Ma femme veut tuer mon amante, vous pensez qu'elle doute de quelque chose? Ouais, je pense que c'est grillé, c'est grillé. Quelqu'un n'a pas été très discret. Ah, quelqu'un avait des traces sur sa veste. Merde, je vais vous la mettre en prison, elle s'est évadée. Ah! On va bien, c'est pas sérieux. Je vais plus revenir à la cour maintenant. En même temps, reviens là où c'est dangereux et on veut te buter. Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vais juste lui faire passer 3 jours en prison, je l'aurais pas tué. Moi je l'aurais laissé pas en prison pour toujours, ça aurait évité des gosses malvenus. Après tout on fait comme Henri VII, si la femme ne donne pas de gosses, quick. Mais à l'envers cette fois, si la femme donne un gosse, quick. Bizarre. On va améliorer les relations. Plus sympa. Je serai inflexible avec commandant motivant. J'ai déjà 36 ans, moi. Vieux. C'est très bien, Otto. 40 ans. Est-ce que je peux défier Bigra en duel? Ah, mais non, il est mineur. Oui, défie une fille de 4 ans en duel. Mais vous êtes tous mineurs, sa mère. Lui, c'est mon allié. Bon, il a 50 ans, c'est mal vu. Bon, ben, il ne reste que Régine Vald. J'ai 41 de combat personnel. Bon, bah, justement, ça va. Allez, on va couper pour la partie. Il est gigantesque en plus, l'enfoiré.